Elle a été sur tous les terrains de mobilisation, apportant un soutien sans faille à Denis Sassou Nguesso jusqu'ici. Après ces quelques sorties laborieuses qui ont vu ses rangs être gaillardis par des milliers de jeunes sur tout le territoire congolais, la plateforme des Sélouriens s'est réunie ce mercredi autour de son coordonnateur national. Au cours de cette réunion extraordinaire réduite aux membres du comité de direction, il était question de faire une évaluation à mi-parcours à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale. À deux semaines pratiquement du lancement de la campagne électorale, le rôle que jouera notre plateforme à travers ses comités de soutien doit être clair, des missions bien cerné et les objectifs fixés. C'est pour cela que nous ne devons pas faire preuve de complaisance dans l'analyse afin de réajuster si nécessaire pour plus d'efficacité. Recommandation de Hugues Ngouelondélé, président national de DSN Ourien, cette réunion d'évaluation se tient à quelques jours du déplacement du président de la République pour Pointe-Noire. Une occasion de faire appel à la communauté ponténégrine pour se tenir prête. Cette réunion se tient également à deux jours de la visite de travail du président de la République à Pointe-Noire. Je profite de cette occasion au nom du ministre Ngouelondélé d'appeler toutes les associations membres de notre dynamique, nos comités de soutien de Pointe-Noire, à se mobiliser dès à présent pour une mobilisation historique dans cette ville de Pointe-Noire. Pointe-Noire sera donc une nouvelle expérience pour DSN Ourien après cette réunion qui a permis de corriger les imperfections constatées sur le terrain. D'un côté, nous avons les réussites. De l'autre côté, nous avons les faiblesses. Voilà, en ce qui concerne les réussites, nous ne nous attardons jamais sur les réussites, puisque ce sont des réussites. Mais en ce qui concerne le côté organisationnel, il s'agit de tirer les leçons des faiblesses, de façon que plus nous allons avancer vers le lancement de la campagne électorale, plus nous puissions corriger pour avoir une organisation qui soit plus performante. Donc c'est ce qui a été fait ce matin, mais Pointe-Noire sera pour nous déjà un test de savoir si les réajustements que nous avons faits ce matin vont être introduits dans l'organisation à Pointe-Noire.